Alright tout le monde, je suis Justin et on se retrouve sur la suite de Crash Bandicoot. It's about time. Donc, let's go, on est rendu dans quel monde là? Les marais des moustiques. Ah, nice. J'aime bien les... Oh, c'est quoi ça? Terminer le niveau en normal? Ah, ok, moi. Ouais. C'est le mode que j'avais déverrouillé la dernière fois. Décalé. Nice, la soundtrack, man. J'ai essayé de faire un double saut, mais j'ai comme fait ma toupie à la place. Hey, c'est Spyro! Fuck off. Je recommence fucking loin. C'est une nitro. Non! Saute dessus la crise de boîte. Je l'aime ce bout-là, pareil, il est cool avec la soundtrack pis tout, mais man, il... ce bout-là, il est fucké, là. Bon. Si, bol, t'es tata. Ah, oh, t'es-tu sérieux? J'avais pas vu la planche. Ah, ok. Je pensais que c'était un ennemi. J'ai de la misère à gager mon saut, man.
Tu peux pas sauter plus haut que ça? Il y a un chef pour me rendre là. Ah. Ok, c'est bon. Ouh. Oh, tabarnak enfin. Un checkpoint. Ouf. Je me suis fourré, désolé. Oh fuck, hein? Ok. Passage, je viens de mourir là. Il était quelque chose ce niveau-là, pareil, je trouve.
Le niveau était cool, j'aimais bien la soundtrack. Oh! Oh là là! Mince, je suis affamé! Hé! Hey, on dirait! De la tourte écrasée! Un gumbo de libas et mille pattes! Des tacos de souris rôti au guacamole! Bon! Oh. Eh bien! Qu'avons-nous là? Vous ne pouvez plus de ce ragoût infâme que Papa Belfield te prépare dans ses toilettes crasseuses! Venez au resto de Dingo! Les plats servis au resto de Dingo peuvent ne pas répondre à la définition légale d'aliments consommés à vos risques. Les effets secondaires des plats du resto de Dingo peuvent inclure la fatigue, une odeur corporelle plus forte, adopter des comportements à risque, repenser à votre oncle, une sensation de faim ou de satiété, être isolé de vos parents et amis, de l'urticaire, de l'ennui, des fuites, liquides ou visqueuses. Hé, hey, vous des autres! Vous passez pas de mon resto! J'avais si souvent eu envie d'elle. La BSF rythme regardera-t-elle et des vomissements par chute. Oh, les canettes des effets secondaires, man. La TV a pas de parler des effets secondaires. Oh, ok, ouais, on joue lui, là. De printemps. Ok, on joue pas mal de personnages. Sauter sur une caisse explosive. J'ai une tête de bandicoot. Jusqu'au dernier. Ok, mais j'ai essayé de planer là. Ouais, de même. Ça fait quand même changement de jouer d'autres personnages, quand même cool. Ouais, ça vise pas bien, par exemple. Colline.
Ah, ok, ok. Ah, ça marche pas. Oh shit. Oh nice. Un checkpoint. Yes. Comment tu les aimes, les Wumpa? Ok, ils viennent de dévorer un poussin. C'est un alligator, là, je comprends, là. Ou un crocodile, là. On dirait qu'à chaque niveau, il va y avoir un personnage différent. Oh non, pas des niveaux avec un surf. Fuck. Ah fuck, je pensais qu'elle allait dropper avant là, je pense pas que je l'aurais touché. Oh. Une chance qu'on a un double saut, man, j'étais sûr que j'allais pogner la boîte. C'est vraiment compliqué, man, quand c'est des petites plateformes de même. Je commence fucking loin, pis ça me fait vraiment chier.
Non, hostie de tabarnak. La calice de corde est à l'autre bout. Tabarnak de corde, t'es-tu sérieux, là? Désolé. Ça me fait vraiment chier, cette petite corde-là, man. En plus, les barils, ils vont tomber dans l'eau, man. Fait que ça me stresse fucking. Ça me fait chier parce que je suis fucking concentré avec mes esti de barils, man. Parce que j'ai de la misère à rester sur des petites plateformes. Genre, j'arrête pas de checker là, mon ombre, là, pour voir où est-ce que je vais atterrir. Je pensais que j'étais entre les deux, là. Dans les jeux de plateforme, il y a une affaire qui est tough, là, c'est que t'as de la misère à voir où est-ce que t'es quand c'est une petite plateforme comme ça, genre. De la misère à voir où est-ce que je me situe entre les ennemis. Fuck you, man. Ok, ils m'ont donné un esti de... Bon, il t'attend. Tabarnak. Il n'y a pas de checkpoint après ça? Eh merde. Ah ok, il faut que je l'aide. Le checkpoint qui est fucking loin. Ah non, il était là. Nice. Je n'avais pas vu. J'avais pas vu à la boîte. J'étais sûr qu'il fallait que je recommence mon truc de ce... Voyons. De surf, là. Non, fuck off. Tabarnak, man, c'est bien tough. Ah. Les hosties de barils de nitro, man! Ah,
tabarnak, tu veux que je fasse quoi? Oh, il a fallu que je me penche comme un con. Pourquoi est-ce que je fais une slide? Pourquoi est-ce que je slide? Là, c'est moi qui est cave, mais... Oh non. Non, ça marche pas. Enfin. Tabarnak, wouhou. Wouh. Ça. Oh, il y avait un autre crash. Parce que je suis dans une autre dimension, c'est ça? Faire la bise à votre Kupunawa. Me regardez pas comme si j'avais lâché un vent à un mariage. Je suis le temps. Je peux vraiment tout voir. Je dis bien vraiment tout. Okay. Il y a quelques développements inattendus dans votre futur. Votre futur très proche. Des événements choquants qui changeront le cours de vos vies. On va juste t'arrêter là, avant qu'ils nous disent comment on meurt. Eh bien, si vous ne voulez pas savoir pour le masque géant mangeur de monstres par-delà les étoiles, c'est votre choix. Ok alors, besoin d'aide? Oh. On va se battre contre à la neige. Ok. Let's go. Je déteste les niveaux de glace en général. Parce que tu glisses pis c'est fatigant. Crash Bandicoot, tu m'as banni dans le passé. Mais ça n'a fait que me donner plus de temps pour préparer ta fin. Tu me trouveras en haut de la montagne. Ne gèle pas au chemin. Waouh, je sens qu'il y a vraiment un passif entre vous. Tu l'as battu combien de fois, ce clone, déjà? 3 fois. Ah bon, seulement 3? J'aurais dit plus. 3 fois. Puis il est tout le temps là, c'est ça qui me fait rire, c'est drôle. C'est pour ça que j'aime pas ça quand ça glisse. Mmh.
Oh, c'est que je cave. Ben oui, mais je viens d'apparaître. De sauter. Hey, c'est juste, hein? Ah, c'était... Pour vrai, je savais pas vraiment que c'était un ennemi, là. Moi, je pensais que c'était un doute qui m'attendait en bateau, là. Yes. Ça, je trouve ça quand même vraiment cool, ces affaires-là, là. Ça me stresse, man. Comme là, là. Ben, je fais des doubles sauts, puis les doubles sauts me ralentissent, hein. Fait que fuck les doubles sauts. Ah. Il y a dû en avoir un, là.
Ok, ce niveau-là était cool. T'as pas si mauvais que ça. C'est pire que ça. Je m'attendais à pire pour un niveau de glace, là, mais peut-être qu'il va en avoir des plus pires que ça. Là. Froid glacial. Non, ouais, le gars il est en chest, c'est vrai. Ah, fuck. Ah, j'ai sauté, va chier, esti de glace. Je mets à peine le pied dessus, esti, man, je commence à patiner fucking vite. Check ça, man. Fouh. Ses proches me trahir, tabarnak. Je vais où, là? On va aller par là. C'est quoi ça? Trompé de bouton, j'ai fait B, mais je voulais faire le... Je l'ai arrêté le temps. Tabarnak, ça passe ses poches. Oh! Oh, le boss, man, Monsieur N.
Ouais, il faut se rendre avant à lui. Ok. Je pensais que c'était rendu un boss. T'es-tu sérieux? Wow, ça c'était carrément le rire de moi, ça là. Ah, c'était même pas le flageaille en plus. Ah, ok. Holy fuck, ok. Oh, je sais quoi faire. Mais là, qu'est-ce qui me fait chier, c'est faut que tout je recommence, par exemple. Puis je suis même pas sûr si je le sais quoi faire ou non. Ah. Je m'y suis pas rendu. J'essaie de me dépêcher en même temps. En même temps, je suis comme... Quand il faut que je reprenne tout le temps un bout que j'ai fait, j'ai tout le temps tendance à me dépêcher, man. C'est quand même cool. Oh, comme ça m'avait manqué. Ah. Thank you.
Et comme ça... Je m'amuse. Ça se voit. Ah. Jamais 304. C'est le boss. Jamais 304. Parce qu'on l'a pété trois fois. Crash Bandicoot. Il était temps que tu arrives. Ça va être comme au bon vieux temps. Sauf que cette fois, tout va se passer selon mes plans. J'ai apporté quelques améliorations à mon ballon. Une pluie de missiles de la mort géant. Fait amusant, le Punchbot Mark II a une note 1 pour... Oh, oh, le Punchbot Mark II doit te taper toi, pas moi. Oh, on va essayer ça. Le missile anti-marsupiaux, c'est mon invention. Hop, ce plan d'écoute, Punchbot. Non. Oh, phew, je recommence juste à cette botte-là, nice. Ok, ouais, il est vraiment tough ce bout-là, ça n'a pas de sens. Selon les règles, moi non plus. Oups, c'est moi qui fais ça. Tu le bandicoot, écrase le bandicoot, écrabouille-lui la tête. Ok, c'était mauvais. Je me demande ce qui va se passer si j'appuie sur tous les boutons. Oh fuck. Subis le courroux de Cortex! Je t'en marre! Ben oui! Aïe aïe, c'est ben trop tough ce bout-là, what the fuck? Ah, c'est bon, j'ai trouvé le bon spot là. Ah, c'est ces astis de missiles, man! Ah.
Non! Tabarnak! Je t'ai rendu fucking loin! Non! Il avait son esti de gutbox! Fuck that! Je pensais qu'il était plus loin un peu, man. Ah, il est vraiment tough ce bout-là. C'est que ça a pas de sens, là. Chance que je recommence pas tout au complet, man. Ah, pourquoi j'ai sauté comme un con? J'ai encore sauté! J'ai un réflexe de sauter, man! Ça me gosse! J'essaie, je me concentre sur les missiles, je me concentre sur la distance des tornades, je me concentre sur quelle tornade qui s'en vient. Ça a juste pas de sens là. Son gars de boxe, il l'avait envoyé plus de bonheur que ça la dernière fois, si. Calice. Bon, je reste en arrière, je m'en fous, là. Bon. Tabarnak. Hey, t'as ben trop tough ce bot là, man. Holy shit. Satané Bandicoot. Ah, on doit vraiment continuer comme ça encore et encore. Des mois, Crash. On va vraiment faire ça pour toujours. Je savais que tu ne pourrais pas gérer la plus simple des tâches. Avane-toi tant que tu veux, j'abandonne. Si tu me cherches, je serai sur une île tropicale quelque part, seul. C'est parfait, car vois-tu, je n'ai plus besoin de notre alliance. J'ai trouvé un nouvel associé et un nouveau plan. Réparer tout ça dans mon dos. Évidemment, le générateur de failles a des capacités que ton esprit ne peut appréhender. Tu te contenterais de régner sur le temps et l'espace. Moi, je vais recommencer à zéro. Tout effacer complètement. Je vais réinitialiser la ligne temporelle et la reconstruire à ma convenance. Je vais devenir un dieu. Et ça veut dire que toi, tu n'existeras pas. Pas plus que ces masques stupides ou ces insupportables marsupiaux. Ayez de l'univers par ce pont, pompeux! J'aimerais bien voir comment il fera quand je lui aurai planté ce diapason dans le... Sauf si on l'attrape en premier. Il semblerait que nous ayons un ennemi en commun. Peut-être y a-t-il un moyen de mettre fin à ce cycle éternel, après tout. Mais je... Ok. Calice, ok. C'est bizarre de voir ça crash avec... Monsieur N ensemble. Mmh.
Ah ouais, il nous suit, man. Ah, ok. Alright, man. Gros, on est rendu où, là? 88 millions d'années avant Jésus-Christ. Ah, oh, ben, avant CB. Crash Bandicoot. Avant Crash Bandicoot, ok, ouais. Bon, hey, nous autres, là, on se laisse là-dessus, man. J'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se retrouve pour la suite. À la prochaine. Ciao.